Il y a une infinité d'options lors de la conception de la couverture d'un livre photo. Aujourd'hui, nous allons découvrir une de toutes ces possibilités. Dans cette création, nous prenons en compte à la fois le projet de photographie et son auteur. Nous avons utilisé une photo comme arrière-plan et ajouté un titre sur la couverture. Sur la couverture, nous avons ajouté également une citation et une photo de son créateur. Faisons-le sur le logiciel. D'abord, nous allons ajouter une photo à l'arrière-plan. Ensuite, nous ajoutons la deuxième photo sur le dos de couverture. Cette fois, nous allons paramétrer ses dimensions et le placer proche de l'angle d'en bas. Pour le faire ressortir de l'arrière-plan, nous allons ajouter un cadre blanc. Maintenant, nous ajoutons le texte. À cette occasion, nous allons coller une citation que nous avons déjà copiée. Et nous l'alignons avec le haut de la photo en utilisant l'aide des indicateurs de placement. Enfin, nous ajoutons notre titre. Comme nous voulons qu'il soit vertical, nous devons cliquer sur « Entrée » après chaque lettre. Nous changeons la police en gras et nous pouvons aussi agrandir ou rétrécir l'espacement des lignes de la même taille que la police. Nous centrons le texte et nous le plaçons en bas, aligné sur la photo. Nous écrivons le reste de notre titre et placez-le à côté du mot, aligné vers le bas. Et c'est fait!